Elias, t'es sûr que c'est le bon? Fais-moi sortir d'ici! Qu'est-ce que tu fous ici? C'est quoi ce bordel? Tu savais que c'était elle? C'est la personne qu'on cherche? Ouais, ben, je savais juste qu'elle pouvait peut-être nous aider, ok? Et pourquoi je vous aiderais? Ça fait un bail que je suis ici. Je connais tout sur cet endroit et je sais comment rejoindre le hangar. Maintenant, toi, tu peux appeler Navette et il peut nous faire sortir d'ici. On peut y arriver, on doit serrer les coudes, ok? Merci, mais je vais tenter ma chance. Tu veux un petit conseil? Lui fais pas confiance. Il t'a pas tout dit. Alerte. Verrouillage d'urgence. Elias! Allez, salut tout le monde! J'avais aucune idée de qui c'était! Je croyais que tu connaissais cet endroit. J'espère que vous allez bien! Et maintenant? T'es piégé jusqu'à ce que la cellule s'arrime! Ce qui veut dire que je peux prendre le tram, mais pas toi! Évidemment. Non, ça va aller! Tu dois aller au traitement des déchets, ok? Contacte-moi quand il sera. Transfert de données terminé. Attends. C'est quoi ça? Juste un petit quelque chose pour t'aider. Suis le plan, ok? À tout de suite! On se retrouve une bonne demi-heure ensemble! Évidemment, merci à tous ceux qui pensent à mettre le j'aime et le petit commentaire. Let's go pour l'épisode 5 de notre incroyable aventure sur Callisto Protocol. Bon, je peux vous dire que ça va saigner. On va en profiter de cette petite pause pour lire, évidemment, ce qu'on vient tout juste de ramasser. Et c'était sur... C'était sur qui ? C'était sur personne d'intérêt, non? Si, c'était sur personne d'intérêt. Malheureusement, pas d'audio, mais on en sait un petit peu plus sur elle. Elle est née en l'année 2300. Évidemment, on sera déjà tous bien loin. Mort, hein, voilà, d'ici là. Mais bon, sauf si quelqu'un a prévu de vivre 100 ans. Et dans ce cas-là, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Évidemment! Allez, on est parti, les amis! Donc, elle est née en 2300. Ça veut dire qu'on doit être dans les années 2300... 2330, quelque chose comme ça. Incroyable. Et apparemment, on cache quelque chose. Je m'en doutais un petit peu. Mais j'ai hâte que le héros en dise peut-être un petit peu plus. Ça serait pas mal. Histoire, tu vois, qu'on puisse avancer un peu. Parce qu'on connaît rien de personne. C'est terrible. Même si, effectivement, je pense que j'avais des... Comment on appelle ça ? Je transportais de la contrebande et donc forcément c'était pas évident, à mon avis j'étais pas un gentil à ce niveau là. Je n'étais pas juste un simple transporteur, vous l'aurez compris, à mon humble avis. Ok. Alors, atteindre la station de Kramer. D'office comme ça. Allez, ça dégage. Ça dégage, te dis-je. Ok. Je me permets un truc, mais sur les munitions, le doute m'habite. J'en ai plus que deux. C'est très 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 embêtant. Non, j'ai combien de munitions en vrai? Non, j'en ai plus que quatre. Mince. Crotte. Ok, il y a un petit truc au sol. Je t'ai vu, petit coquelicot. Ok. Ok, j'appelle le tram. Ah, ça va pas le faire. Tu vas devoir partir en te faufilant, tu t'es venu. Cherche une bouche d'aération de l'autre côté. Non mais frérot, avec ton arme, tire dans le grillage et rejoins Elias, là, non? Je sais pas, les gars, oh, je suis fou à penser correctement. C'est terrible, cette histoire. C'est terrible. Ok, on va passer par là-bas. Et on passera par là. Ah! Oh là là! Sérieux! Ah, toujours toujours cet anus, hein. Toujours, hein. Plus fort que lui, hein. Putain. Quelle merde!
Je sais pas, je me dis qu'à exploser toutes les petites pustules au sol là, on peut gratter quelque chose, je sais pas. Ok. Quoi? Quoi? C'est qui frotte sa teub contre... Voilà, bah superbe. Alors, ça m'a fusillé toute ma vie, hein, c'est incroyable. J'aurais dû faire peut-être... J'aurais dû faire... Non, c'est quoi? C'est quoi pour rester protégé? J'en ai aucune putain d'idée. Mais non, mais c'est pas vrai! Claire! Rendez-moi de la vie, je vais briller là. C'est trop! Putain, j'ai fusillé toutes mes balles. Oh là là, quelle angoisse. Ok. Non, mais sérieux, c'est trop. Vraiment, là, c'est. C'est bon, frère. Non, là, ils ont abusé. Les mecs, toujours dans l'abus. Je dégage. Ah, bah finalement, on va récupérer ça. Voilà. Et on va recharger. Merci. Eh ben, c'est pas mal hein, ce qui se passe. Hein. Ok. J'ai encore un peu de vie. Heureusement que j'ai pas tout vendu. Let's go. On s'est fait démonter entièrement gratuitement. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est gratuit, ça n'a pas de prix. Chaque mètre, c'est cadeau. Ok. Allez, on va descendre. Est-ce que c'est encore ce bien? Non, mais frère, on peut pas se retourner rapidement. Allez, dégage. Quelle angoisse. Si je pouvais me retourner rapidement, je l'aurais déjà démonté le merdier, mais tu parles. Allez, ça dégage. Ouais, bah, j'ai utilisé mon cerveau, c'est vrai que je suis quand même une machine. Écoute-moi, Jacob. Cette boucle d'aération de leur côté te mènera à la section de traitement des déchets. Tu devras passer ce rond pour y arriver. Très bien. Ok, lui il a plus de tête, on peut pas récupérer son merdier là. Ok. On a pris notre part, ça fait plaisir. What? Ah. Ah! Ça va être embêtant ça. Ça va être très embêtant. Je suppose que le truc tous les jours il me fume, c'est ça? Est-ce que c'est niquable un robot? C'est la question que le français moyen se pose. Ok. Très bien, des petites récompenses comme ça, gauche à droite. Très bien. Avec toi ici. Voilà. Non, là t'abuses. Là par contre la prise était abusée, je suis désolé. 10, 2, 8. Bam!
Oh, les emmerdes. C'est bon, allez. Et on a réussi à récupérer tous les bonus au passage. Contacte-moi quand t'arrives au point de contrôle. C'est plutôt pas trop mal. C'est même presque bien. Ok. Alors. Point de save. Ça sent l'embrouille. Let's go. On se met full. Une dernière chose. Il y a un piège là-dedans pour empêcher la tête de s'échapper. Rien. Attends, répète-moi ça. Pas répète. Non, tu veux pas répéter, fils de pute, hein. Excusez-moi, mais enfin. C'est peut-être un peu de l'abus, là. Ok. J'ai eu trop peur. Alors ? J'ai eu trop peur, sa mère. Je vous jure que c'est vrai. À passer, hein. Putain. Ça pardonne pas. Ok, ok. Allez, frère, non. Attends, comment ça? Ah, je peux pas passer par là, genre. La vache. Oh l'angoisse, c'était chaud. Oh, c'était chaud. J'aime bien. Attends, quoi? Il neige? Enfin, on va voir un peu de jour. Ça serait bien. Ça serait bien. Parce que la nuit comme ça, là, c'était yes. Terrible. Hein. J'y suis, je suis au point de contrôle. Okay. Bien, maintenant va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. De la neige, bibiche, de la neige. Hop, on reload, très bien. On est bien. Ça c'est de là où je viens. Ah frérot, Ah wow, une vue d'enfer. Ouais mec, pour l'enfer t'as pas tort. Une grosse tempête se prépare, t'as pas envie qu'elle te rattrape. Ouais, je vois ça. Je vois le hangar aussi. C'est notre porte de sortie. Ouais. J'ai fait pas mal de petits boulots là-bas. C'était il y a une éternité. Et tu vas la retrouver, cette fille, il faut juste s'en tenir au plan. Ce qui veut dire que tu vas ramener ton cul au dôme de l'habitat. Et comment je suis censé faire ça? Personne n'a dit que ça allait être facile. Mais je couvre tes arrières, crois-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaillais là-bas. On pourrait dire que je collectais des données de recherche. J'ai fait quelques enregistrements. Le logiciel que j'ai installé sur ton corps les déclenchera là-bas. Suis-les et t'arriveras au dôme. Et après? Je viendrai te chercher à la station de tram. T'inquiète pas. D'accord. Je te recontacte. Non. Tu pourras pas. Tu seras sous terre, mec. T'auras pas de signal avant d'arriver au dôme. Évidemment. Il y a autre chose que tu m'as pas dit? Écoute, tu devrais te manier, ok? Il devrait y avoir une trappe pas loin. Ok. Superbe. J'aimerais vraiment avoir un inventaire un peu plus sympa, les gars. Un truc un peu plus cozy. Ça serait vraiment cool. Si on fait un récap des munes, on a 8... très bien, 8... 13 pompes.
9 pistolets. J'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt pas trop mal en vrai. On meurt. En fait, le jeu, on s'en sort très rarement in extremis. C'est soit on meurt, soit on tue. Et on tue, souvent on s'en sort très bien. Donc c'est ça qui est un peu étrange. Habita. Ok. Par contre, ils auraient pu taffer les les transitions. Hein. Ils auraient pu taffer les transitions. Parce que là, frérot, ça rigole pas. Ok. Faut vraiment que j'améliore mon arme de corps à corps. C'est la base du jeu, en fait. C'est littéralement la base du jeu. Hein. Ok. Ah, j'aime bien. Bon, où est cet enregistreur? J'aime bien, j'aime bien. Ok. Forge, superbe. Superbe. Après tout ce qu'on a fait, c'est mérité. UJC, à votre service. Alors, biba biba boum. Brise le bras de l'assaillant s'il bloque l'attaque de mêlée d'un officier. À utiliser de manière responsable. Ok. Bloquer inflige des dégâts à l'ennemi qui attaque. Ah ouais? Oh, mais ça c'est fou en fait. Les gars, il faut que je déverrouille ça parce qu'après ça, ça va faire augmenter les dégâts en surchargeant les régulateurs d'énergie. Incroyable. Faut que j'augmente ça, les gars. Hein. Rien à péter. Hein. Vraiment, je pense que le B.A.B.A. c'est cette putain d'arme. Hein. Ok. Ok, ok. Let's go, on se casse. Comme Patricia casse. Appuyez sur la touche R1 pour effectuer une attaque lourde. Les attaques de mêlée lourde ont un temps de récupération plus long, mais causent plus de dégâts. Ok. Très bien. Très très bien même. Donc appuyez sur R1, c'est attaque de mêlée lourde. J'espère que vous notez toujours. Ok. Ouais là faut que j'aille en enfer là, c'est ça. Hello. C'est une belle échelle hein. J'ai remarqué ils aiment bien les échelles, tu sais, quand tu fais des habitations. Nous on a taffé des buildings frérot avec des ascenseurs et tout. Là c'est sur une autre planète qu'il n'y a pas, frérot, d'accord, c'est les échelles. Pas d'ascenseur, flemme. On en a eu un pourtant hein. Ok, ça sent. Ça sent le boulgour ici, hein, je vous le dis. Oh lo, oh lo, c'est une arène ça. Hein. J'ai finalement été transféré au traitement des déchets. C'est un vrai trou marin. Entrée 21. J'ai finalement été transféré au traitement des déchets. C'est un vrai trou marin. Entrée 21. J'ai finalement été transféré au traitement des déchets. C'est un vrai trou marin. Ah. Ah merde. D'accord, je suppose qu'il faut déplacer ce merdier. Ok. Ça va être la merde. Hein. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Dans ces jeux-là, ça a toujours été un peu l'angoisse. Ok. Allez, régale, bibiche. Joli. Oh la vache. Ok. Alors, va falloir mettre ça où? Là déjà pour commencer peut-être. Inventaire plein, pardon. Comment ça? Ah oui. Ouais, 31 balles c'est trop. On est d'accord, on est bien d'accord. Ok. Alors là, où faut aller? Ok. Ça c'est étrange. Je vais pas prendre les escaliers avec ce merdier les gars.
Non, c'est pas là. Oh merde, j'ai pas lâché les armes au bon endroit. Oh non. La galère ne fait que commencer. C'est bon. C'est très bizarre. Ok. Ah mais qu'est-ce que je suis teubé. J'en ai pas besoin pour... Enfin, j'ai plus besoin de monter, c'était juste pour libérer là. Super, ça. Ah, c'est mon petit côté un peu, tu vois. Ouais, je vais toujours chercher trop loin, les gars. Ah, c'est terrible. Cautions. Ça veut dire attention. Cautions, ça veut dire toujours attention. C'est pas... Elle est cette bête. On se pose un peu trop souvent cette question, malheureusement. C'est une ambiance pas folle. Je vais tomber dans l'eau là. Oh merde. C'est la merde hein, littéralement là hein. Je peux me permettre cette expression. Quoi? Malade toi. Cette merde. On va retirer toute la merde là. Ok. On y est presque. Ah, je sais pas trop hein. En termes d'habitat, qu'est-ce que vous entendez par habitat là les gars? C'est bizarre, je déteste cette caméra qui se balade. Tu sais, ça sent qu'il va y avoir un screamer bientôt. Ah. Ah, monsieur, vous avez mal? Pardon. C'était invisible. On se pose pas cette question dans le jeu, je vous le dis. Hein. Héros, moi je vois ça, je back, je lui fais ton idée, c'est de la merde. Je retourne dans ma cellule, une table sur l'épaule et ça dégage. Hein. Je suppose qu'on va l'affronter maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les gars, hein. Les potes, hein. Il y a moyen, il se passe un truc de ouf là-haut. Hein. J'y crois. Hein. Qu'est-ce que c'est? J'y crois fort. Ok. Peut-être une pièce secrète. Parce que c'est. Obligatoire. Ça sent la pièce d'un boss. Les potes. Je vais m'armer sale. Wesh! Sa teuté, elle est à l'envers, frère! Faut pas marcher comme ça, hein, tu vas te faire mal!
Ok. On est presque. Je suis pas serein. Superbe. Ok. Merde. La vache. Ok, il y a du creds. Je donne du crédit à mes paroles. C'était là la suite de notre aventure? C'est bizarre. Ok. Officier Bruno. Le frère. Le sang. Le courant saute et la porte refuse de s'ouvrir. Une construction typique de l'UJC. On dirait que c'est constitué de fils croisés. Ça tire plus de jus. C'est pour ça qu'il y a besoin de deux boîtes à fusibles. Une minute. C'était quoi ça? Ok. C'est embêtant. Oh non, 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 ça c'est pas des... Ça les gars, je connais mes aïeux. Ça c'est pas une pièce secret. It's not a secret pièce. Je me casse. On va check derrière. Oh non, on peut pas. Bon, attendez, parce que je sais pas d'où je viens en fait, c'est pour ça que je dis ça. Ok. Oh là là. Genre, c'était vraiment le vrai lui, vrai, parce qu'il est, il ressemblait pas à un vrai passage, en fait. Il était un peu dissimulé à gauche, là où la caméra nous invitait à aller à droite, vous voyez ce que je veux dire? Il y a moyen que je m'égare. Je sais pas, écoutez, on va voir. Pour moi, normalement, la suite était à droite, là. Mais je peux peut-être me tromper. Je me trompe malheureusement un peu trop sur ce jeu. Tu vois, pour moi, ça me semblait logique. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis con, je m'en veux. Je me dégoûte. Si j'avais utilisé les gants, j'avais vu les pics derrière. Mais je les ai pas vus. Ok. Non, non, abruti, s'il te plaît. Remonte, remonte. Allez. Abuse pas, frérot. Abuse pas, frérot. C'est pas possible. Inventaire plein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ouais, pour qu'est-ce le que je vais. Je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Aucune idée de ce que j'ai branlé, putain. Et moi, je viens de là, c'est ça? Je dois trouver un autre chemin. Bon, ok, non, c'était, écoutez, c'était ouais. Le chemin. On va faire en sorte que ça save. Parce que là, regardez, dernière rencontre, c'était il y a 5 minutes. Ça veut dire que, bah, si je reprends là, je vais perdre 5 minutes de jeu qu'on vient de faire, même si on n'a pas fait grand-chose, hein, finalement, à part monter deux échelles pour redescendre finalement bien plus vite. Avec un inventaire plein, on pouvait pas faire grand-chose. Mais j'ai confiance. Et puis on va pouvoir s'arrêter là surtout. Merci encore une fois à tous ceux qui pensent de mettre un like et un commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Évidemment. Alors. Ok, ça, cassage de gueule. Let's go. Là c'est verrouillé. Et là c'est la suite. Et ben voilà, les amis. Suivre ce tuyau. On va pouvoir s'arrêter là.
N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Bye bye.